Je vous présente Ah, c'est bon. le moment. Ce moment, donc, sur les civilisations, c'est un think tank qui est. Là, tu m'entends? Voilà. Donc, sur les civilisations, Didier Christin, qui est de agronome et puis ingénieur agronome, docteur en sciences politiques et PhD en sciences de l'environnement. Il développe des démarches de recherche-action au sein du think tank agricole Sol et Civilisation, qui est un think tank qui est relié à la FNSEA. Depuis le début, Didier, on l'a associé en fait à cette aventure de l'Agora. Il a participé à la rencontre de Arles, la première rencontre. Et en discutant, il nous dit, mais sur l'installation, il y a un programme qu'on mène dans plusieurs collectivités d'Auvergne, qui est très intéressant avec les jeunes agriculteurs autour de l'installation. Et on lui a dit tout de suite, bah, écoute Didier, voilà, on te mandate. Essaie de nous dégoter quelques JA qui viennent nous en parler, parce qu'on trouve que c'est vraiment le moment d'échanger avec nous tous. Sur effectivement comment les jeunes agriculteurs et vous imaginez l'aspect de l'installation. Donc, je vais peut-être te laisser d'abord présenter un peu plus sur les civilisations, et puis en espérant que Julien, donc c'est Julien Rambaud des JA de la Loire, qui est une des chevilles ouvrières de ce programme des JA qui s'intitule S'installer dans le Massif central. Puisse nous rejoindre. Ça te va? Je te donne la parole donc. Je partage un écran si je veux diffuser quelque chose Marche pas. ou pas. Vous m'entendez ou pas? Alors pour l'instant, on ne t'entend pas. Vous ne m'entendez pas? Est-ce que tu parles? Oui, j'essaye là. Ah merde, pardon. Vous m'entendez là? Parfait. Et là, on bouge plus, tant pis pour mon retour en ce moment. Bon, j'y vais? Oui, absolument. Et vous voyez le PowerPoint ou pas? Oui. Ok, bon, je vais essayer de pas en abuser. J'imagine qu'à cette heure-ci, un vendredi soir, l'abus de PowerPoint peut être dangereux. Bon, bah écoutez, bah d'abord merci, hein, merci à vous, merci aux organisateurs de m'avoir convié à présenter ce programme. Et puis j'espère vraiment là que Julien va nous rejoindre rapidement pour bah, avoir l'éclairage évidemment plus intéressant encore d'un JA impliqué dans cette démarche. Bah évidemment, je suis terriblement frustré de ne pas être parmi vous aussi, mais je pense que Vincent vous a expliqué pourquoi, ou sinon il vous expliquera. Et donc, bah, je fais ça à distance. Voilà. Donc l'idée, hein, c'était de ce qu'on avait convenu avec Vincent, et puis par rapport à toutes vos réflexions, c'était d'apporter l'éclairage de ce que nous on avait pu faire. Je vais regarder l'heure quand même pour maîtriser le temps. Donc dans ce programme de ces citoyens qui expérimentent une nouvelle société, enfin ces journées-là qui sont les vôtres. Des réflexions, des leviers, des outils pour réussir son projet d'installation atypique. L'idée, c'était d'avoir un temps de retour par le territoire autour de ce programme témoin. Quelques mots avant donc de Sol et Civilisation. Donc Sol et Civilisation, on est donc un think tank indépendant, mais tourné vers l'action, donc pas que de la réflexion, qui a été créé donc il y a une trentaine d'années maintenant par des responsables agricoles et puis d'autres personnalités aussi, y compris particulier du monde rural, mais aussi au niveau national. Pour penser et accompagner l'innovation dans les territoires ruraux. Tout à l'heure, Vincent a dit qu'on était relié à la FNSEA. C'est vrai et c'est pas vrai. On se dit et on est ce qu'on dit proche mais indépendant du monde agricole parce que justement ces leaders-là, en particulier ceux qui venaient des organisations agricoles, ils avaient très largement contribué à les constituer. Ils voyaient toute la force que ces institutions pouvaient avoir en termes d'organisation, de défense d'intérêts, etc. Mais aussi, ils en maîtrisaient, on va dire, les limites, et en particulier, parfois, dans des logiques un peu d'organisation, la difficulté
à pouvoir aller explorer d'autres sujets, et en particulier d'autres sujets qui concernent certes le monde agricole, mais qui sont beaucoup plus transversaux et qui d'une certaine façon concernent l'ensemble de la société. Évidemment, dans les débuts des années 90, ça faisait déjà un moment que se montaient en puissance les questions environnementales, mais pas que. Et après, on a vu arriver, c'était déjà là en germe hein, assez rapidement après-guerre, mais aussi les questions d'alimentation, la qualité des territoires, les paysages, etc., la gestion des risques, les risques naturels, l'eau, tout ce qu'on appelle ces biens communs mondiaux maintenant, le sol, l'eau, la biodiversité, etc. Et donc, que tout ça était en train de monter en puissance, que les agriculteurs et le monde rural avait une place évidemment extrêmement importante par rapport à ces enjeux, puisque c'est leur métier, on va dire, que de créer ou de la richesse à partir du vivant, mais qu'en même temps ça devait de plus en plus être questionné et mis en perspective avec les autres acteurs de la société pour arriver à stabiliser, et que le monde agricole seul pouvait pas traiter ces questions là cette complexité là. Donc, d'où cette idée de créer quelque chose proche du monde agricole, mais indépendant, au sens où on n'a pas de relation hiérarchique, économique, etc., par rapport à ces structures. En même temps, on est proche. Hein, Raymond Lacombe, à l'époque, était président de la FNSEA, et notre présidente actuelle, Anne-Claire Vial, a longtemps été présidente de la Chambre d'agriculture de la Drôme, là où vous êtes. Elle est présidente d'Arvalis, etc. Donc, c'est évidemment une présidente à la fois agricultrice et très présente et très active dans ces organisations officielles. Mais il y a quand même vraiment cette idée d'être un peu à côté pour pouvoir aiguiller et travailler avec des acteurs ou des sujets que les organisations agricoles comme ça auraient peut-être du mal à traiter spontanément en interne. Donc on fait en gros trois grandes choses, hein, et je vais aller vite, là on a une activité de réflexion, donc on anime des groupes de réflexion, on mène des travaux de prospective, on accueille et on soutient des doctorants, donc là on en a une actuellement sur les nouvelles relations ville-campagne, et on va en démarrer une, là je le dis aussi parce que on vient d'avoir le feu vert de la NRT dans la Drôme aussi, enfin donc là où vous êtes en lien avec le conseil départemental et l'association Cap Rural sur la précarité alimentaire en milieu rural. Voilà. Ah voilà, Julien qui nous rejoint. Salut Julien. Voilà. Donc on mène aussi des interventions. Alors plutôt en termes de facilitation, nous ne sommes pas des experts des sujets. Par contre, la façon dont on se positionne, c'est de faciliter des projets multi-acteurs dans les territoires. Comment des acteurs peuvent plus facilement coopérer autour de projets qui sont plutôt transversaux, de sujets transversaux. Donc, accompagnement de réflexion stratégique au sein d'organisations publiques et privées. Éloigné de ton micro. C'est bon ? Je continue ou... D'accord. On t'entend moins bien que tout à l'heure. On m'entend moins bien ? Oui, comme si tu t'étais éloigné, mais peut-être... Ben, normalement, le micro est dans le casque. J'espère que ça prend bien... Ça prend ce micro, là, si je tape là ? Non. Oui, à partir du moment où, Florian... Julien, c'est connecté ? Ah, zut ! Ah, c'est bon, là. Là, c'est bon. C'est toujours la faute des JA, hein, de toute façon. Et donc... Ok, bon, ben, j'espère que ça va continuer. Et donc, on a des activités de valorisation aussi de ces travaux, de ces réflexions, à travers l'organisation de colloques, assises, publications, l'aide de sol utilisation, etc. Voilà pour décrire très rapidement la structure dans laquelle nous intervenons. Et quand même, je dois le dire, on a beaucoup travaillé, même si on a été constitué proche, on a beaucoup travaillé, on va dire, jusqu'ici, justement pas très en lien avec les organisations. Plus, ces organisations travaillent avec nous parce que je pense que ça a été l'énorme richesse des pères fondateurs de cette structure qui ont senti venir un certain nombre de sujets, etc., et qui ont constitué cette association. Et aujourd'hui, le monde agricole plus institutionnel est en train de revenir vers nous pour essayer de travailler différemment tout un tas de sujets sur lesquels ils sont interpellés dans des démarches de durabilité, de responsabilité sociale, de gestion du vivant au sens large. Et donc on est amené de plus en plus à travailler avec les céréaliers, les oléoprofiteurs. Et puis là, donc dans ce projet-là, avec s'installer en Massif Central, cette structure qui regroupe toutes les JA, les syndicats JA du département du Massif. Mais Julien le dira en quelques mots plus explicitement. Voilà. Donc quelques mots sur, je regarde l'heure, ça va filer. Quelques mots sur le projet témoin. Si vous voulez, on a prévu ça plutôt avec Julien, c'est que je présente quelques diapos très rapides
comme c'est moi qui les ai faites, en particulier peut-être avec l'idée qu'il aurait du mal à nous rejoindre s'il n'arrivait pas à finir les foins. Et après, par contre, je ne vais pas aller trop sur les enseignements, etc. Je pense que c'est très riche ce programme, on pourrait y passer des heures. L'idée surtout, c'est que Julien dise quelques mots et puis qu'après, on soit en interaction avec vous. Voilà. Et puis, j'hésiterai pas à aller piocher, moi, des choses si besoin. Donc, la démarche, en fait, c'est donc portée par la structure s'installer en Massif Central, donc qui regroupe tous ces syndicats départementaux et régionaux de JA. L'idée pour eux, hein, mais voilà, c'était d'avoir créé une structure qui soit pas syndicale et justement pour poser des questions plus transverses et peut-être plus ouvertes aussi aux autres acteurs de la société. Les partenaires forts, donc ça a été la structure s'installer qui a c'est son projet. Il y avait l'IADT, l'Institut d'aménagement et de développement des territoires, qui a un autre nom maintenant. Ça doit être d'Auvergne, développement des territoires qui a changé du fait de la fusion, mais donc une université pour nous aider à travailler ces questions-là, et puis sur les civilisations. Et sur des questions de formation aussi, tout au long du projet, on avait associé l'IFOCAP pour aider à voir comment monter en compétence au sein des JA et des animateurs sur ces questions de comment on travaille ensemble avec les autres acteurs dans les territoires. Voilà. Et c'était soutenu, je l'ai mis en bas, hein, l'État, la région, deux régions et le département de la Corrèze. Donc les constats de départ, tels que moi je les reformule, et pareil Julien complétera tout à l'heure, j'allais dire c'est malheureusement ce sont des données extrêmement connues et depuis longtemps, c'est que il y a de moins en moins d'exploitations agricoles en France. Donc voilà les quelques chiffres qu'on avait compilés, hein, donc là en France, hein, chef d'exploitation en 2008, hein, 514 000, 2016, donc là il y a un gap, 462, et ça continue, 2017, 453 000, 2018, 448 500. Donc, en fait, une longue diminution du nombre d'exploitations et de chefs d'exploitation en France. Aujourd'hui, hein, les chiffres qu'on a réussi à avoir, c'était 120 000 personnes en âge de prendre la retraite aujourd'hui, dès à présent, ce qui représente quand même un quart des terres cultivables de la métropole. Donc, on voit quand même l'ampleur du phénomène avec quelques chiffres. Plus spécifiquement sur le massif, d'ici 2026, 30% des chefs d'exploitation seront en âge de partir à la retraite. Et on sait aujourd'hui, en tout cas si on continue sur la même tendance, qu'on compense seulement une installation pour deux à trois départs. Je suis désolé et vraiment ça a été, on n'arrive pas à être plus précis parce que c'est extrêmement compliqué en fait d'arriver à avoir une réalité objective. Parce que là, c'est les installations aidées qui vont être comptées, les autres vont pas être dedans, etc. Donc en fait, c'est très difficile en fait d'avoir une photo exacte de la situation, ce qui à mon avis fait partie des difficultés. Et puis donc pour le massif, hein, c'est une perte de 2100 fermes par an. Et avec une diminution de 23% en 10 ans. Donc là aussi, hein, on voit très vite quand même l'ampleur de ce sujet-là. Et puis, plus zoom plus précis, un des territoires qui était partenaire du projet dans le Haut-Cézallier, dans le Cantal, avait souhaité zoomer plus sur cette commune et de faire un petit diagnostic. Je dirais malheureusement, ça va assez vite, vu qu'il reste plus beaucoup d'exploitants agricoles dans ces territoires, même dans des territoires hyper ruraux. Et donc, ils étaient arrivés à l'estimation qu'il y avait 30% des exploitants qui ont plus de 57 ans, et 50% qui ont plus de 52 ans. Donc là aussi, on voit hein, dans 10-15 ans ce que ça peut représenter. Autre constat de départ, c'était ce lien très fort entre agriculture et territoire. Alors j'imagine, vous voyez pas très bien, ça doit être flou, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que plus c'est foncé, plus le monde, il y a d'emplois, c'est plus la part des emplois agricoles par commune est importante. Et donc on voit quand même qu'il y a toute une zone où c'est plus de 50%. Le rouge foncé, c'est entre 50 et 100% des emplois. En tout cas, plus de 50%. Et donc, on voit quand même que le orange foncé, c'est entre 30 et 50%. Donc, on voit quand même qu'en termes, ne serait-ce que d'emploi, le monde agricole et les activités agricoles sont quand même extrêmement structurantes pour ces territoires du massif. Et j'allais dire, ça va bien au-delà, mais vous le savez, hein, ça n'est pas que des questions d'emploi, c'est plus largement la vie des territoires qui est en jeu. C'est aussi les paysages, c'est ce qu'on avait appelé nous la transmission de patrimoine en fait, qui sont multifacettes. C'est la culture, c'est les fêtes, c'est un patrimoine architectural. Ce sont des traditions, ce sont ces paysages, ce sont ces produits, la gastronomie, les questions culinaires, etc., etc. Et donc en fait, c'est tout ça qui est en jeu finalement aussi bien au-delà des seules questions d'installation et d'emploi en agriculture. Troisième grand point dans les constats de départ, c'était, et en tout cas ça c'était le fruit des réflexions de s'installer en Massif Central, donc vous voyez le crobar à gauche, là aussi je pense que vous voyez pas grand-chose, mais l'idée c'est pas tant de voir tous les détails, c'est de voir qu'ils étaient, par des réflexions qu'ils avaient menées au sein de s'installer en Massif Central, les JA étaient arrivés à l'idée qu'en fait c'était extrêmement complexe
et que pour améliorer vraiment et faire passer un effet de seuil pour dans les questions d'amélioration de l'accueil, de l'installation, de la transmission des exploitations, eh bien en fait il y avait tout un tas de dimensions qui étaient en jeu en même temps et que c'est cette complexité-là quelque part qu'il fallait embrasser. Ça va sur des questions de foncier, juridique, économique, mais aussi dans les services qu'il y a dans les territoires, les écoles, etc. Et que là, en fait, tout ça était relié et que cette question-là, en fait, eh ben, elle demandait aussi ou elle mériterait de pouvoir être traitée avec tout un tas d'autres acteurs dans le territoire qui, de fait, sont concernés. Alors, ils sont concernés sur le papier. Tout l'enjeu de projet témoin, c'était de voir s'ils étaient concernés effectivement et s'ils pouvaient du coup s'impliquer peut-être plus que ce qui se fait aujourd'hui autour de ces questions d'accueil et installation. Voilà, donc là, j'ai mis une phrase de Christelle Couder, JA19, qui a suivi, voilà, qui est « Nous ne pouvons plus réfléchir l'agriculture entre nous », qui était vraiment le constat de départ, je pense, sur ces questions-là, hein, de témoins. Il y avait une prospective aussi qui avait été mise en place par le CGAER, AAER, enfin, en gros, c'est l'État, qui aboutissait à la conclusion que sans action collective forte et malgré les nombreux outils et d'aide existants, l'agriculture familiale était menacée en général au niveau français. Et donc, d'où l'idée de ce projet témoin pour les JA, d'innover en repartant des territoires, des habitants des territoires. Moi, je vais détailler un petit peu ce diagramme et ce schéma et après, je vais m'arrêter là. Et sur les enseignements, etc., on verra en fonction de vos questions ou de ce qu'on peut rajouter. Donc, on avait appelé ça, voilà. On a essayé de faire un schéma qui représentait le processus d'accompagnement qui a été mené avec les JA, avec l'IADT, l'IFOCAP, sur les civilisations, sur ces questions-là. Donc, attendez, je crois que je peux faire ça. Hop, voilà. Donc, si on part ici, on va dire, là, c'était la situation peu de départ. C'était de partir du constat qu'aujourd'hui, ces questions-là sont traitées, on va dire, selon deux grandes modalités, soit seules ou, on va dire, à l'échelle individuelle, c'est-à-dire soit des gens des jeunes qui s'installent, qui ont envie de s'installer, qui développent leur projet, des cédants qui essaient de trouver des solutions, etc. Donc, en tout cas, il y a évidemment sur ces questions-là une forte dimension individuelle de qu'est-ce qu'on a envie de faire, son choix, est-ce qu'on est armé, outillé, etc. pour aller au bout de son projet. Il y avait aussi l'idée, Bruxelles, là, d'une dimension collective. Alors, collective, à un sens particulier, en tout cas, de choses qui se font, mais par délégation, c'est-à-dire on n'est pas directement acteur, et en particulier, on voit bien que il y a aujourd'hui toute une filière, à mon avis, il y en a plusieurs, même d'accueil, installation, transmission. Il y en a une très structurée autour des chambres d'agriculture, de l'État, etc. Il y en a aussi, et vous le savez très bien, qui se mettent en place dans des organisations dites alter, enfin, en tout cas, sur les CIVAM, etc., qui essayent aussi d'investir qui essayent ce champ-là. Mais voilà, dans des façons de réagir de façon plus collective, de s'organiser pour essayer de traiter ces questions-là. Et l'idée de ce qu'il y a au cœur de témoins, de ce qu'on avait proposé, c'était de dire, essayons de voir si on peut prendre une initiative d'intérêt commun, c'est-à-dire d'ouvrir cette question-là à l'ensemble des autres acteurs de la société et pour ce faire, très pragmatiquement, de passer par les acteurs des territoires. Voilà. D'aller les questionner. Est-ce que ces questions d'accueil, installation, transmission en agriculture vous questionnent? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous y voyez des problèmes? Comment vous voyez aujourd'hui, vous évaluez ce qui se fait? Comment vous vous projetez? Et en termes d'action ou de proposition, est-ce que vous auriez aussi des propositions à faire au travers de démarches territoriales innovantes? Voilà. Donc, on a, sur 2 ou 3 ans, hein, ça a été un très gros travail, alors avec l'IADT, etc. Il y a plus de 300 personnes qui ont été rencontrées lors d'entretiens individuels, de façon très sécurisée. L'idée, c'était de dire, il faut prendre le temps. On veille énormément à sécuriser ce type d'approche et de dire, pour bien travailler ensemble, il faut, un, savoir si des gens ont envie de travailler ensemble et, deux, essayer de voir quelles pourraient être les grandes orientations sur lesquelles ils pensent que qu'il faut travailler ensemble avant de mettre spontanément tout le monde autour de la table, parce qu'on sait que bien souvent, en tout cas sur des sujets aussi sensibles que ceux-là, ça peut très vite aller dans des jeux de posture, de remise en cause, etc., où finalement on crée pas beaucoup d'intelligence commune ou intelligence collective. Donc l'idée là, c'était donc faire des entretiens individuels, alors du monde agricole évidemment, mais aussi des élus. Et puisqu'on avait appelé les autres acteurs de la société et des territoires, des associations de tout type, des services, des habitants, etc. On a mené à peu près 25 séminaires, donc là, déjà ensemble, où on a essayé d'organiser une réflexion. On a commencé à organiser la réflexion par famille d'acteurs, les agriculteurs entre eux, sur un territoire, les élus entre eux, les autres acteurs entre eux. Là aussi, toujours dans l'idée de sécuriser et de voir ce qui commençait à se dégager. Et puis, on a fait des temps de restitution, de débat et de voir comment on pouvait se projeter vers d'autres actions.
vers des actions qui pourraient être reconnues d'intérêt commun. Donc voilà, donc on a exploré ce qu'on appelait l'exploration des champs du commun, donc mettre en mouvement, accompagner, mobiliser, de l'écoute active, des rencontres, et tout ce travail-là. Donc c'est pour ça qu'on est on n'est pas directement dans l'action. C'est un processus, en tout cas sur ces 2-3 premières années, qui se veut être pour poser le socle de ce qui pourrait être fait, enfin de ce que les gens ont envie de faire en commun, au-delà des questions purement agricoles, sur ces questions d'accueil, installation, transmission. Et donc on a synthétisé tout ce travail au travers de ce qu'on appelait une vision commune ou d'intérêt commun autour de témoins, dans laquelle pouvaient se retrouver en tout cas tous ceux qui avaient envie de travailler ensemble sur ces questions-là. Et donc ensuite, ce qui commence déjà à se faire et ce qu'on espère qu'il pourra être amplifié, c'est de passer à l'action avec des dispositifs qui permettent de co-construire des projets d'intérêt commun depuis les territoires autour de ces questions d'accueil, installation, transmission. Voilà. Je regarde l'heure et il faut absolument qu'on ait du temps de débat. Allez, j'arrête là. Ouais, allez-y. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, du coup. Bon, bah, impeccable. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je vais vite me présenter rapidement. Donc, je suis originaire de la Loire et je suis agriculteur donc sur une commune en bordure de Loire où je fais de la production laitière et des vaches allaitantes au sein d'une structure à 4 associés. Voilà. Donc moi je suis je suivais donc pour mon département au niveau JA en historique, je suivais donc installé en Massif Central et suivi beaucoup les débats là-dessus et donc j'étais rentré dans le groupe depuis 2011 et donc on se posait la question de la prospective, la perspective aussi de nos exploitations. On était plusieurs au sein du groupe de jeunes agriculteurs à se dire ben d'ici 5, 10, 15 ans on va avoir nos associés qui vont partir, qui vont partir en retraite ou qui vont changer d'horizon. Et donc, la conséquence de ça, c'était de se dire, aujourd'hui, on s'aperçoit que par les solutions actuelles, on peut piocher, on peut voir beaucoup de choses autour de nous qui bougeons, que ça soit par le parcours, on va dire plutôt privilégié des chambres, plutôt officielles entre guillemets, et puis les autres parcours qui sont à côté, qui avaient beaucoup de solutions, qui avaient beaucoup d'énergie qui était passée, et que au final, on s'apercevait que l'ensemble de tout ça ne marchait pas forcément. Et donc de ce constat, on s'est dit que on arrivait à faire le diagramme donc que Didier vous a présenté tout à l'heure. Et de ce diagramme, on s'est dit que nous, on n'avait pas ni la compétence, ni le temps, ni la facilité de rencontrer les gens pour arriver à poser le débat, à le faire avancer. Et c'est de ce point-là que nous sommes rentrés donc en contact avec Soleil Civilisation, puis l'IADT, pour arriver à essayer de trouver une solution qui soit la plus neutre possible, la plus impartiale possible, pour arriver à recueillir les éléments, collectionner un petit peu tous les avis de tout le monde là-dessus, et pour essayer de garder une certaine efficience, une certaine efficacité dans nos démarches, qu'on soit pas bloqué par d'un côté ce qui pouvait être vu comme le syndicat jeune agriculteur qui venait essayer de caracoler de partout ou autre chose, et surtout de permettre de réunir, on va dire, toutes les énergies qui souhaitaient avancer sur ce même constat et qui souhaitaient mettre la pierre à l'édifice. Donc après, je ne sais pas si vous aviez des questions à me poser plus tôt, parce que ça sera peut-être plus simple. Bonjour Julien. Peut-être une des questions, la première question en fait, est-ce que tu pourrais nous synthétiser, nous résumer les principaux enseignements que tu tires de cette enquête en matière d'installation, peut-être sur les verrous, sur de nouvelles formes d'installation, puis je pense qu'il y aura d'autres questions derrière, mais peut-être déjà faire une synthèse un peu des résultats. D'accord. Alors, les rencontres, tout le monde venait un petit peu, on va dire entre guillemets, payait pour voir un petit peu ce que
on va dire comme au poker, en disant bah finalement on va voir un peu qu'est-ce que c'est ce projet qui nous est présenté un petit peu bizarre. Et finalement, grâce à ça, dans les territoires que j'ai pu visiter, où j'ai pu aller participer, que ce soit dans le Morvan, donc dans mon département surrouennais où il y a eu une étude aussi, ça a été le retour dans la plupart, ça a permis quand même de créer une vraie dynamique autour de ce sujet-là, et de s'apercevoir que finalement, on a beau ne pas être d'accord forcément sur certaines bricoles, mais on est tous d'accord franchement sur le fond, quoi. Il faut que, si on veut garder des territoires ouverts, dynamiques, avec une vie, avec des écoles qui tournent, avec des commerces, avec des territoires qui ne sont pas enclavés, tout ça, il faut qu'on travaille tous ensemble, il faut qu'il y ait des installations, parce que les jeunes amènent beaucoup de choses au territoire, à savoir font tourner les écoles, permettent d'amener tout un tissu économique local, non délocalisable, qui est important, je pense, à l'heure actuelle, et permet un entretien des territoires et une vie des territoires importante. Et ça, c'est un constat qui a été que j'ai vu auquel est arrivé quasiment, enfin tous les groupes sont arrivés. Après, selon les groupes, selon les envies de chacun, on va dire derrière les entre guillemets livrables, enfin les rendus qui ont été donnés ne sont pas tout à fait au même niveau. Des endroits, ça a été d'essayer de trouver une efficacité, un dynamisme, et d'essayer finalement d'arriver à garder, à informer le jeune de toutes les aides qu'il peut avoir, que ce soit par tous les réseaux, parce qu'on s'aperçoit qu'on rentre d'un côté ou l'autre, on tombait vite dans un réseau et finalement on ne découvrait pas tout ce qui pouvait être mis à disposition du jeune, et on avait une certaine perte d'efficacité, des fois des pertes aussi d'efficacité qui pouvaient être aussi économiques, parce qu'on se retrouvait avec des comcom qui refabriquaient un parcours à installation, un dispositif à installation pour aider les jeunes bis, mais finalement qui étaient complètement déjà réunis dans les différentes structures qui ont partagé le projet. Et moi, c'est là où j'ai trouvé la chose la plus épanouissante, c'est que bah, finalement, on s'apercevait que ça ne servira à rien d'inventer l'eau chaude ou de réinventer l'eau tiède, mais ce sera vraiment de chercher à vraiment optimiser déjà tout ce qui est présent et essayer d'ouvrir le plus possible pour permettre de garder un dynamisme au niveau installation et donc de pouvoir garder nos campagnes ouvertes et dynamiques. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Écoutez, tu as répondu en tout cas à une partie, mais il y en a d'autres derrière, et en particulier que ici, dans la journée, avec une chercheuse et puis plusieurs experts des questions d'installation, il y a eu pas mal de constats qui ont été dressés, en particulier le fait que parmi des personnes qui cherchent à s'installer en agriculture, on constate que de plus en plus de jeunes, notamment des hors-cadres familiaux, mais pas que, aspirent à s'installer en pluriactivité en zone rurale, au niveau agricole. Alors, déjà, deux chiffres en fait qui ressortent de ce matin et qui ont été apportés par des chercheurs, qui étaient 62% de porteurs de projets qui passent par les points d'installation sont des hors-cadres familiaux, donc ce qui est énorme. Et ça, ces données, on les a pas forcément réunies à l'échelle nationale. Et le deuxième chiffre à partager avec toi, c'est que 35% parmi les nouveaux installés se déclarent le faire en pluriactivité. Et ma question, en fait, que je t'adresse, mais également à Didier, c'est comment une organisation syndicale agricole comme les JA appréhende ces nouvelles formes d'installation qui viennent re-questionner et le métier et l'organisation même de l'agriculture et des agriculteurs. Alors, pour répondre sur le côté hors-cadre familial, pour moi, c'est vraiment une chance. C'est une autre façon de voir forcément l'agriculture. Des fois, c'est des profils qui sont des personnes un peu plus âgées, un petit peu plus matures. Et moi, je trouve ça extraordinaire pour notre monde. Et je trouve, j'entends par monde agricole, parce que je trouve que ça permet d'amener de nouvelles idées, du sang neuf aussi,
fait, je pense que le côté cadre familial est quelque chose qui est aussi quelque chose d'intéressant, mais qui finalement rentre dans une certaine routine, dans une certaine façon de voir les choses. Et de toute façon, il y a qu'à voir les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure par Didier, on n'arrivera pas à remplacer la population si on se replie que sur nous. Et de toute façon, je ne suis pas sûr qu'une société soit vraiment puisse avoir un avenir si une partie de sa population se replie sur elle-même. Donc pour moi, c'est vraiment une chance, le côté orchestre familial. Après, le côté plus réactivité, c'est aussi un autre point qui est rentré, qu'on voyait moins au début, parce que du coup, moi, j'ai été responsable installation au niveau de mon département il y a quelques années, et c'est quelque chose qu'on voyait quand même beaucoup moins. À une période, c'était plutôt, dans les points accueil installation, on tournait autour de 15% de personnes qui voulaient rentrer justement en plus réactivité, et donc c'est un constat à faire, et là aussi, ça a été aussi l'objectif du projet témoin, c'est d'arriver à trouver comment accompagner de manière efficace et comment arriver à suivre ces personnes-là, parce que pour une partie, ben, elle souhaite à terme, une fois que l'activité est lancée et que les bases sont posées, permettre d'arrêter cette double activité pour permettre une installation. Et c'est une méthode qui est exceptionnelle parce qu'elle permet quand même derrière de toujours pouvoir conserver une sécurité financière grâce au mi-temps à l'extérieur. Après, pour certains, c'est aussi le choix de dire, ben voilà, je garde l'exploitation qui pouvait être de mes grands-parents, de quelqu'un de ma famille, et de continuer à mettre en valeur ce patrimoine. Et de l'autre côté, ben, j'assure quand même un revenu extérieur grâce à mon activité principale. Une autre question je vais te poser, te passer la parole à une personne. Ouais, j'ai une question sur plus sur comment vous voyez la dotation jeune agriculteur, parce que là, il y a le Conseil économique, social et environnemental qui vient de faire un rendu là le 9 juin sur le renouvellement des générations, entre autres sur le foncier, mais aussi sur la DJA, sur cette dotation jeune agriculteur, avec une préconisation qui est d'aller jusqu'à 50 ans, parce que comme vous l'avez dit, hein, les hors-cadres familiaux et les non-issus du milieu agricole ont plutôt entre 35 et 50 ans, sont plus âgés, la durée de vie est plus longue aujourd'hui, et on est toujours sur 40 ans. Et moi, je me souviens avoir trouvé des chiffres dans l'Hérault, il y a déjà 25 ans, où il y avait 80% des gens qui s'installaient sans pouvoir avoir accès aux aides, ou sans vouloir avoir accès, mais qui s'installaient sans les aides en tout cas, ce qu'on a appelé les installations non aidées. Comment vous voyez ça par rapport à la DJA? Est-ce qu'on ne pourrait pas la passer à 50 ans? Alors, je vais peut-être me permettre de faire une réponse en deux temps. C'est vrai qu'au niveau installation, du coup, donc ça, c'est chiffres Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui sont extrapolables à 1 ou 2% près sur la France entière. C'est que, en gros, sur le public de personnes qui s'installent de moins de 40 ans, la moitié s'installe avec les aides, donc la DJA, l'autre moitié sans aide. Et donc, ben, du coup, ça veut dire qu'en gros, on est autour de 25% du public global qui s'installe avec les aides. À savoir que dans les installations aussi, on compte les transferts entre époux quand le mari ou la femme part en retraite et du coup est remplacé. Donc ça qui représenterait à peu près 5% des chiffres d'installation globaux. Voilà. Donc... Ensuite, j'ai perdu le fil de la question. Je ne me suis pas noté comme un idiot. Vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît. Les 50 ans, pardon. 50 ans. Oui, donc en fait, c'est un débat aussi qu'on a eu au niveau des jeunes agriculteurs aussi, de dire est-ce que on serait pour monter à 50 ans, rester à 40 ans. Alors, pour être honnête, si on était dans le monde des bisounours avec une enveloppe complètement ouverte où on pouvait piocher dedans, moi, il y a 100%, il faudrait y aller. Après, il y a toujours le souci de se dire que bon, c'est de l'argent public, il faut pas non plus que on le dilapide forcément, mais c'est pour ça que les 50 ans, je sais pas moi personnellement si c'est la bonne barre, mais c'est vrai que d'augmenter de quelques années, il n'y a pas de souci.
Après, ce qu'il faut éviter, c'est qu'on se retrouve avec un effet de finalement de saupoudrage qui fasse que finalement ces aides ne soient plus incitatives et ne permettent pas finalement de renouveler comme il faut ou de privilégier ceux qui ont vraiment le plus besoin de capitaux pour le démarrage. Parce que c'est vrai qu'on s'est basé sur plusieurs études INSEE qui disaient que voilà, à partir de 40 ans, les personnes ont déjà donc une vie avant, je parle économique. Donc une et ont déjà généralement le pécule qui leur permet de pouvoir s'installer parce que l'objectif à l'origine de la DGA était d'avoir une aide de trésorerie pour les premières années qui permettait justement la mise en route et de permettre de subvenir aux besoins du jeune au moment de l'installation. Alors bon, je vous allais dire, je vous ai fait un peu une réponse de Normand, mais c'est vrai que ça a été toujours un gros dilemme en disant bah, si on avait des capitaux, pas de limite de financement, monter à 50 ans, pourquoi pas. Après, il faudrait arriver à trouver une solution pour pouvoir soutenir tout le monde le plus longtemps possible, parce que je pense qu'une installation, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Ça demande un investissement de temps, un investissement personnel, financier important, et il faut arriver à trouver des solutions intermédiaires qui permettent de suivre ce parcours, ce dispositif, de pouvoir aider au financement des installations, quelles qu'elles soient, et je pense à n'importe quel âge. Une autre personne pour une autre question. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de votre propre expérience, en fait, hein, c'est-à-dire que vous êtes associé, et dans quelques années, il y a des associés au sein de votre, je pense que c'est un GAEC ou une société. Voilà, une exploitation à plusieurs qui vont partir en retraite et en face, il n'y a pas forcément de repreneurs, quoi. Et ça, c'est une question qui est assez générale en France. Moi, je viens d'une région dans le Jura avec la filière Comté qui aussi se pose ce genre de questions. Et en face, on a des porteurs de projets qui sont pas forcément sur les mêmes filières, les mêmes projets. Et on commence à parler de démembrer, en fait, les fermes qui sont de plus en plus grandes et qui sont de toute façon très difficiles à transmettre, ou même quand on est à plusieurs associés, pour un jeune, c'est pas forcément très excitant de dire tiens, je vais prendre une place, là, il n'y a rien à créer, je vais continuer dans une certaine routine sur une filière que j'ai pas forcément choisie. Comment vous envisagez l'idée de peut-être redémembrer pour diversifier aussi les activités sur un territoire? Les fermes qui se sont agrandies à tel point qu'elles sont plus transmissibles, en fait. Ouais. Alors là, il y a plusieurs volets aussi dans ma réponse. C'est vrai que il faut, on va dire que il y a une adaptation aussi des cédants. Je pense que ça a été aussi un point qui est apparu au niveau du projet témoin, c'est que on n'installera pas des jeunes comme moi je me suis installé ou comme mes associés se sont installés. Je pense où on rentrait finalement entre guillemets dans un moule où on réalisait finalement le projet global, tout ça. Je pense que maintenant on arrive au niveau des GAEC. Jusqu'à maintenant, on était plutôt dans une phase où on créait des structures, c'était des réunions d'exploitation par affinité, entre guillemets, par affinité, que ça soit économique, que ça soit de filière ou affinité de personnes. On arrivait à un stade où voilà, on était en train de former des structures. Maintenant, on arrive au point où, comme pour les GAEC, on est au renouvellement d'exploitants. Mais il faut bien se dire que l'exploitation que j'ai actuellement, je ne pense pas qu'elle ressemblera à l'exploitation quand un jeune, s'il a envie de rentrer dans notre structure, la structure restera telle qu'elle. En fait, c'est là, pour moi, le point le plus important. Il faut que tout le monde s'y retrouve dans une exploitation. Il faut que chacun puisse réaliser ses envies, qu'il puisse finalement s'accomplir par l'action de produire ou de s'investir dans l'exploitation existante. Donc, ça peut être par un remplacement personne pour personne dans une structure, mais ça peut être aussi par une modification d'assolement, ça peut être par une modification aussi de production globale. Et ça, je pense que on a un travail à faire énorme aussi sur les cédants là-dessus.
Après, le démantèlement d'une exploitation, c'est quelque chose, pourquoi pas. Mais par contre, il faut toujours arriver à garder des viabilités sur l'exploitation et pour les associés restants et pour le jeune qui prenne le morceau de l'exploitation de l'autre côté. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention à tous ces points-là. Et pour moi, le plus important dans tout ça, c'est le côté relationnel, le côté humain de la chose, parce que de toute façon, c'est tout... Il faut que tout le monde arrive à s'accomplir dans le travail que nous faisons, quoi. Nous travaillons tous, tout agriculteur travaille longtemps, forcément sur son exploitation, passe beaucoup d'heures de travail dessus. Si c'est pour pas que ça se passe bien, il faut vite arrêter parce que actuellement c'est pas la rémunération de notre métier qui va faire qu'on reste dans le métier. C'est la passion, c'est l'envie de travailler avec les autres, c'est l'envie de se réaliser au travers de son exploitation. Et c'est tous ces facteurs-là qui font que nous restons agriculteurs, que nous évoluons. Et je pense que c'est pareil, un jeune qui rentre dans une structure ou qui fait évoluer, justement permet de faire évoluer les choses et permet de sortir du certain confort, certaines choses qui sont peut-être là depuis 15, 20 ans, ou comme j'ai pu écouter des jeunes des fois qui rentraient dans la structure, qui s'installaient avec leurs parents, disaient, bah, de toute façon, je vais faire ça comme ça. Et quand on leur questionnait pourquoi ils faisaient ça, ils disaient, parce que mon père a toujours fait comme ça. Mmh. Et moi, c'est toujours un point qui m'embête, c'est que finalement, on s'installe pas pour faire ce que faisaient nos parents, on s'installe pour faire ce qu'on a envie de faire. Et tout ça, bien sûr, en faisant des compromis avec les associés étant présents, bien sûr, mais tout ça en essayant de se concrétiser au travers de cette installation-là. Une autre question pour toi, Julien. Oui, merci. Oui, vous avez bien compris que cette société, vous venez de le dire vous-même, était en train d'évoluer, qu'il y a des modèles qui évoluent. Une des choses qu'on a pu constater ces derniers temps, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives, non seulement sur les petites exploitations, comme on vient d'en parler, mais aussi sur qui tendent à répondre à des demandes locales, des circuits de proximité, etc. Et des gens qui veulent s'installer sur des petites exploitations pour répondre au local. Ma question, c'est est-ce que... on a vu jusqu'ici que les gens qui s'installent, souvent, ils sont dans un milieu qui est relativement fermé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils font référence à des organismes agricoles qui sont installés depuis longtemps, chambre agriculture, SAFER, ADAR et compagnie. Cette tendance vers la proximité, etc., laisserait entendre qu'il y aurait peut-être un rôle à jouer pour les collectivités, un rôle à jouer pour les populations locales. Comment vous voyez cette possibilité d'évoluer et de faire évoluer le métier en fonction de ces demandes-là? Alors pour ça, faire évoluer les mentalités, c'est un travail qui est très très long. On voit au sein des CUMA, différents niveaux, où je pense qu'il y a de la place pour les jeunes, pour quand ils veulent rentrer dans l'agriculture, pour pouvoir par exemple trouver du matériel à moindre frais, pour pouvoir justement pouvoir attaquer sans avoir des capitaux non plus énormes à dépenser, à mettre en place et à immobiliser. Je pense que le plus important, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui se fait pas mal, c'est le côté parrainage, c'est d'arriver à trouver finalement un groupe d'agriculteurs qui aide à faire entrer les jeunes, à faire découvrir aussi les projets. Et c'est la communication, c'est toujours le côté humain pour moi qui prime, où il faut que la personne qui veut s'installer sur un secteur puisse se faire connaître pour finalement essayer de lever toutes ces barrières, essayer de faire connaître son projet aussi, essayer de s'intégrer le plus rapidement possible dans le territoire, parce que finalement on n'est pas nombreux sur un territoire maintenant. Mais donc l'idée à ce niveau-là. La question qui t'était posée, en fait, ce que j'ai entendu, c'était aussi la dimension à avoir avec des collectivités et d'autres acteurs. Un exemple, comment tu appréhendes
les expériences de régie municipale agricole, régie communale agricole, où en fait c'est la collectivité qui va installer des agriculteurs, qui va le prendre en charge financièrement pour répondre à un certain nombre de cahiers des charges, et en particulier par exemple pour nourrir sa population au moins au niveau des écoles, des cantines scolaires ou des EHPAD. Voilà, typiquement ce genre d'exemple. Est-ce que ça, au JA, c'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil ou pas du tout? Alors, c'est un point où il peut y avoir, où nous sommes des fois assez partagés là-dessus. C'est quelque chose qui est extraordinaire, moi, je trouve, pour la prise de compétences, la montée en compétences des jeunes, de passer finalement du papier, du projet à, on va dire, au cas concret. Le côté des fois où chez nous ça a été un peu plus mitigé, c'est le côté justement où du fait qu'il n'y ait pas forcément toutes les charges, et l'objectif de finalement faire un peu sa place, ces jeunes sont arrivés en cassant les marchés, on va dire, vraiment sur les marchés, sur les communes, et finalement ça a fait une concurrence qui n'était vraiment pas saine sur le territoire, et c'est des jeunes généralement qui ne sont pas restés parce que du coup, bah, après, ils n'ont jamais pu maintenir ces tarifs-là et ont eu des gros gros soucis finalement pour passer vraiment à la pleine charge complète de l'exploitation, avec toutes les charges qui sont liées. Donc pour moi c'est quelque chose qui est très très bien, parce que justement voilà, c'est ce côté-là qui, pour moi, le côté qui prime, c'est quand même le côté expérimental, le côté voilà, je me mets en situation, je découvre. Je trouve ça très sécurisant aussi, parce que ben du coup il y a quand même une collectivité derrière pour soutenir, pour être garante finalement au niveau financier. Mais voilà, il y a ce côté plutôt de décalage au niveau des prix du marché, des choses comme ça, qui peut vraiment être limite. Après, oui, Didier, je vois que tu veux intervenir. Oui, je vais redonner la parole à Didier tout à l'heure, juste pour prolonger cette question. Ah. En fait, il y a aussi une aspiration liée au fait qu'on élargisse le jeu d'acteurs en responsabilité finalement de la production alimentaire, que ce soit les agriculteurs au premier chef, bien évidemment, mais pas que. Aussi des usagers, des collectivités qui vont gérer le territoire autour de ça. Il y a aussi une tendance, et c'est tout à fait lié à cette question, où de plus en plus de jeunes en agriculture ont envie de travailler de façon un peu plus collective. C'est pas forcément dans des cas de GAEC, par exemple, parce que on voit naître, par exemple, des coopératives d'activité agricole, ou des GFA, ou des voilà, de nouvelles structures qui vont allier des producteurs, parfois des associations de consommateurs, parfois des transformateurs, voire des collectivités, en tout cas toute une série d'acteurs qui sont reliés par contrat ensemble, avec des modalités clairement définies. Mais tu vois bien que dans ces dispositifs, ça repense très largement le métier et je dirais même son périmètre. Par rapport à ces nouvelles tendances, comment tu appréhendes ça? Ben, moi, franchement, si c'était possible qu'on puisse faire ça partout en France, ça serait génial, parce que ça veut dire qu'on assurerait une alimentation à tout le monde de manière, je pense, assez raisonnée. On éviterait de traîner de la marchandise qui traverse toute la France pour des fois revenir au même endroit, quand on parle des fois pour l'abattage des animaux, des choses comme ça. Et je pense que ça permettrait aussi de remettre beaucoup de liens et de refaire remettre un peu les pieds dans la terre à tout le monde, et de faire découvrir finalement vraiment comment ça, on peut travailler, qu'il y a des saisons, que les ananas c'est pas toute l'année, que voilà, que nous en France, et ben on produit des pommes de terre, on produit beaucoup de choses, et ben c'est cyclique, ça se produit pas tout le temps, qu'il y a des saisons pour tout. Et franchement, j'adorerais qu'on puisse pousser ça beaucoup plus loin, parce que finalement, ben, on sécurise aussi bien pour le jeune qui arrive ses investissements pour plus tard, on sécurise aussi pour les associations de consommateurs
ils sont sûrs d'avoir des denrées qui arrivent avec des quantités, tout ça. Et je pense que il faudrait qu'on arrive à beaucoup plus développer ces choses-là pour permettre justement de sécuriser tout le monde et que tout le monde puisse travailler beaucoup plus sereinement. Une dernière question avant de redonner la parole à Didier aussi, pour que peut-être il réagisse un peu aux différentes choses qu'il a entendues, à la fois comme question et puis dans tes réponses. Comme ça, il pourra avoir aussi un mot de conclusion. Oui, bonjour Julien. Aujourd'hui, dans le monde agricole, on parle beaucoup de l'agribashing. Et voilà, je me posais la question de comment voient les JA et les installations atypiques comme... on pourrait penser que les installations un peu atypiques, écolo et bio, et permettraient justement ce lien avec le public extérieur au monde agricole. Et vous, comment vous voyez ça et comment vous le vivez en fait ? D'accord. Alors sur agribashing, en fait, ce qui est génial avec notre métier, c'est qu'on travaille dehors, on a des grandes pâtures, et que finalement, ben, contrairement à une usine, ben, tout le monde voit ce qu'on fait et à quelle heure on le fait, comment on le fait et tout ça. Donc, c'est un point génial. Ça nous a permis de nous améliorer sur beaucoup de points parce que, bon, il y a encore quelques années, je pense que il y a des choses qui se faisaient qui n'étaient, je pense, pas admissibles, comme certains épandages ou des choses comme ça, ou l'épandage sur neige ou des choses. Donc, bon, on va dire que ça a permis quand même de faire évoluer les choses. Après, l'agribashing, ben, pour moi, c'est toujours un petit peu une épée de Damoclès, un peu au-dessus de la tête, parce qu'on se pose toujours la question de se dire « je pense avoir fait tout ce qu'il fallait comme il faut sur mon exploitation. Est-ce que si actuellement quelqu'un vient faire une photo à quelque part en la sortant un peu de son contexte, est-ce qu'il n'y aurait pas un point qui pourrait ressortir et qui pourrait faire une polémique là-dessus ?» Donc, c'est quelque chose qui encourage quand même toujours à essayer d'être le meilleur possible, d'être le plus vertueux possible. Bon, on essaye ben, toujours de l'être, mais voilà, que vraiment de nous pousser vraiment à vers l'excellence. Après, les installations atypiques, entre guillemets, pour moi, ne le sont pas forcément. Pour moi, je suis pas sûr qu'il faille opposer les agricultures. Et je pense que la richesse de notre territoire, c'est vraiment le mélange et la diversité de ces productions et de ces méthodes de production qui va faire que notre territoire vont vivre. Merci. Merci Julien. D'abord, je te remercie d'avoir pris ce temps alors que tu es en pleine activité agricole en ce moment. Et puis, je vais demander à Didier peut-être d'avoir un mot de conclusion et puis de réaction un peu de ce que tu as entendu, Didier. Voilà, mais n'excède pas 5 minutes parce qu'après, voilà, on va cesser. Encore merci, okay. Julien. Plus réaction à chaud que conclusion. Oui, je pense que vous le voyez très bien avec la façon dont répond Julien. C'est en fait, quand dans la démarche, l'idée c'était de ramener, enfin d'abord parce qu'il est comme ça et beaucoup enfin sont comme ça, et l'idée aussi c'était de sortir cette approche territoriale, c'est qu'en fait il y a pas de tabou. Vous voyez bien, c'est est-ce qu'il faut démembrer des exploitations, est-ce qu'il faut faire du bio, est-ce qu'il faut faire des circuits courts, est-ce qu'éventuellement on peut fonctionnaliser les agriculteurs, en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert, enfin et peut-être qu'on l'a découvert ensemble dans ce projet, c'est qu'il y a pas, il y a vraiment pas de tabou, parce que l'idée derrière c'est arrivons à faire vivre ces pays en les préservant aussi, hein, sur l'aspect environnement, etc. Mais arrivons à vivre, et dans le arriver à vivre, il y a aussi arrivons à vivre bien ensemble. Arrivons à vivre chacun de notre truc, soyons bien dans nos pompes, il faut que ça ait du sens aujourd'hui, on le voit bien, on ne fait pas ça uniquement parce que papa faisait comme ça ou pour que des pures raisons économiques, on voit bien qu'il y a une aspiration au sens, à participer à quelque chose qui nous dépasse, de préserver des enjeux du vivant, etc. Et donc je pense que vraiment, ce que ce projet a vraiment montré, c'est qu'il n'y a aucun tabou. Après, je pense que il faut pouvoir dire ça assez rapidement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il y a une énorme... En fait, toutes ces questions d'accueil et installation génèrent beaucoup d'angoisse et d'anxiété à tous les niveaux. Et donc, à commencer par les propres parents, d'ailleurs, des jeunes qui prennent leur suite. Je ne sais pas si c'est commencé pour Julien ou pas, mais il y en a plein qui étaient engagés dans le programme S'installer en Massif Central, pour lesquels leurs parents leur ont dit « fais pas ça, surtout fais pas ce métier-là ».
pour plein de raisons. Ça insécurise, mais ça insécurise tout le monde. Ça insécurise le maire du coin. Ça insécurise le voisin parce qu'il se dit que sa seule planche de salut, ça va être de s'agrandir. Et donc, il se dit, zut, s'il y en a un qui s'installe, ça va être foutu. Ça va insécuriser la banque. Ça insécurise le conseiller, surtout sur des projets plus atypiques, en se disant, mais moi, j'ai pas les références techniques, financières. J'ai peur de l'envoyer au carton, etc. Donc, dites-vous bien que, en particulier sur des profils atypiques et de gens qui sont pas du territoire, il y a pas de tabou, et je pense que c'est, alors évidemment il y aura toujours des exceptions, hein, mais c'est très profond. Et deux, c'est l'installation en général, et en particulier encore plus sur de l'atypique hors territoire ou des gens qui sont pas du monde agricole ou du territoire, ça insécurise énormément. Et donc du coup en trois, je pense aussi que ce qui est ressorti très profondément, c'est que justement il faut pouvoir mettre en place des dispositifs alors souples, hein, et les animer pour accompagner tout ça dans les territoires. Et que chaque cas va être particulier, et il va falloir pouvoir tisser ça, le projet du cédant, qui est très différent de l'un à l'autre, le projet de celui qui veut s'installer, le contexte, quelles sont les filières qui existent, si on veut s'installer sur du fromage de chèvre, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui déjà dans la région en font ou pas? Enfin bref, arriver à pouvoir très facilement se poser tout un tas de questions pour sécuriser des parcours qui vont évidemment être différents de ceux d'autrefois, mais qui vont être amenés à sécuriser à la fois le porteur de projet, mais aussi tout l'écosystème, j'allais dire territorial, qui est autour, et qui fait que du coup, tous ces acteurs vont s'activer très positivement pour essayer de voir à quelles conditions, etc., trouver des solutions. Et il faudra de la diversité, il y en aura, heureusement. Mais vous voyez bien, c'est plus facile de sécuriser quand il y avait un prix unique, un marché fermé, une monoproduction, eh ben, ça a sécurisé les trucs. On a vu tous les désavantages que ça avait, hein, quelques décennies après. Mais du coup, passer à l'autre, changer un peu de façon de faire et de voir les choses, aujourd'hui, ça insécurise. Et il faut absolument mettre en place des dispositifs de rencontre pour échanger sur toutes les solutions, etc., pour trouver des solutions qui sécurisent. Voilà. Dernier point. Après, moi, c'était plus une question que j'avais pour vous, qui êtes dites plutôt alter, hein, j'imagine, même si je vous vois pas, même si c'est pas terrible de catégoriser tout le monde. Il y a un énorme enjeu dans le massif, c'est de reprendre des exploitations quand même avec de l'élevage. Il faudra de la diversité, il faudra faire autre chose, il faudra, etc. Mais il y a quand même de l'herbe beaucoup, il y a quand même des structures d'exploitation qui existent. Moi, ça m'intéresserait en tout cas, et je trouve que ce serait peut-être un groupe, c'est à quelles conditions, ou de réfléchir à quelles conditions des gens qui sont ni du monde agricole, ni de l'élevage, ni du territoire, à quelles conditions ça pourrait vous intéresser de vous lancer dans des projets où il y a aussi de l'élevage. Voilà. Est-ce que c'est vraiment pas possible pour des raisons fortes, personnelles? Est-ce que c'est des questions de verrou parce que c'est trop cher, c'est trop gros ou autre? En tout cas, de voir à quelles conditions éventuellement vous auriez envie de vous projeter dans ces métiers-là. Je dis ces métiers parce qu'il y en a plein. Merci Didier, parce que c'est ton questionnement rejoint, je pense, différemment, hein, des choses qui ont été posées dans la journée. On a pu entendre aussi dans d'autres moments, des webinaires ou à la première rencontre où tu étais, cette nécessité de remettre aussi de l'élevage, en tout cas d'être dans des exploitations de polyculture élevage et de ne pas être dans la monoculture ou la monoproduction, hein, de vraiment pouvoir relier les différentes filières dans la diversité. Et comme tu le soulignes, ça pose toute une série de questions sur les compétences, sur le fait que tout le monde n'a pas envie forcément de se remettre à avoir des animaux parce que ça a un certain nombre de contraintes en dehors des compétences métiers. Mais du coup, je pense que c'est pas sans lien avec les questions qui t'ont été posées sur la question du démembrement, sur la question mêler les jeux d'acteurs, sur le fait que peut-être on peut aussi, et il faudra sans doute, imaginer du paysage agricole qui soit plus diversifié, non seulement en termes de production, mais aussi en termes de structure, en termes de forme d'organisation. Parce que sinon, on aura bien du mal, à mon avis, à répondre à cette exigence de remettre dans un certain nombre de territoires, et c'est sans doute nécessaire, de l'animal. Voilà, peut-être que dans un premier temps, je peux te dire, mais je pense que la discussion va pouvoir se poursuivre. Pour moi et je pense pour nous tous, c'est vraiment précieux qu'on ait eu ce temps d'échange. On espère qu'il pourra se poursuivre dans d'autres enceintes,
avec une partie en tout cas des structures présentes ici. On est vraiment heureux que ça puisse avoir lieu parce que, comme tu dis, il y a plein de, je pense, d'intérêts communs, d'aspirations communes, même s'il y a des différences de vision peut-être de quelle agriculture, mais il y a en tout cas matière à du dialogue entre nous. Voilà. Et merci à vous deux d'avoir pris ce temps de participer. Et Didier, à très, très bientôt. Merci beaucoup. Julien, tu voulais pas rajouter un petit mot, non ? Oui, je voulais juste rajouter un petit mot par rapport à ce que vous, la réflexion que vous venez de faire, donc qui est très très juste. Par contre, moi j'ai vu beaucoup de choses au niveau installation qu'il faut faire quand même attention. Chaque exploitation a des conditions pédoclimatiques différentes. Il faut vraiment arriver à adapter son projet aux conditions du territoire dans lequel on s'insère. On sait faire du maraîchage à haute altitude, à des endroits où il y a peu d'eau, c'est très difficile, voire c'est déjà partir avec beaucoup de problèmes, on va dire, de base. Et il faut vraiment, pour moi, c'est un des points les plus importants, c'est d'arriver à adapter aussi son projet à ces conditions-là. Parce que on voit c'est que le projet soit, entre guillemets, plutôt alter ou classique, si on s'adapte pas au territoire, de toute façon, on n'arrivera jamais rien à y faire. Et on se retrouve au bout de 5-6 ans avec des exploitations qui sont à reprendre, avec des situations très très difficiles. Et je trouve vraiment dommage parce que des fois le projet aurait été fait sur la commune d'à côté ou à un endroit un petit peu mieux exposé ou des choses comme ça pour faire des fruits et des légumes. Et ben l'exploitant, je suis sûr, serait toujours là actuellement. Alors que là, ben ils ont disparu à cause de ça. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à faire. C'est que on a notre propre projet, nos objectifs à l'origine, et il faudra toujours le confronter au territoire où on veut s'installer parce que il ne sera pas forcément identique à ce qu'on espérait, parce que sinon ben ça peut être très très dangereux. Il faut pas trop vouloir s'entêter des fois sur un projet qui ne peut pas marcher sur le territoire où on souhaite s'installer. Voilà. Merci de cette précision. Juste pour finir, je dirais oui, il faut évidemment construire des projets bien insérés dans son territoire et pas simplement pour des raisons pédoclimatiques, mais aussi de la sociologie, des acteurs présents. Mais je pense que c'est bien aussi d'adapter le monde agricole à des nouvelles techniques qui existent parce que honnêtement, il y a pas mal de techniques qui rendent ces contraintes pédoclimatiques peut-être parfois moins difficiles. Il y a des nouvelles techniques, alors peut-être en termes de productivité, elles ne sont pas au rendez-vous d'autres techniques, mais en tout cas, elles rendent possible des territoires vivriers. Je pense que c'est tout ça qu'il faut continuer, sur lequel il faut continuer à échanger. Voilà. En tout cas, merci bien à vous deux et à très bientôt. Merci à vous. J'espère. Merci pour l'accueil. Merci, oui. Et bon apéro maintenant. Ouais, bonne continuation.